D'Ivoire TV Musique, bonjour et bienvenue dans Fafa. Je suis Chola, toujours en compagnie de mon binôme, le S, le grand Serge Défalé. Nous avons un invité, non des moindres, vous l'avez connu via les réseaux sociaux. Il aime manger, il adore ramper. Aujourd'hui, il va nous expliquer dans le Fafa pourquoi il aime ramper. Notre devise, union, discipline, travail, mais surtout, béret. Le père d'Alo Inter est l'invité de Fafa. Bonjour le père d'Aloa. Oui, bonjour. Alors, c'est un plaisir pour nous de te recevoir dans le Fafa atypique avec Chola sur le côté. Alors, depuis ta dernière opération, comment est ton état de santé aujourd'hui? Parce qu'on a vu que tu t'es assez touché sur la toile et tout. Ok, vraiment, tout ce qu'on peut dire d'abord, on dit merci à Dieu. C'est Dieu qui donne la santé. Mm-hmm. Tu sais qu'on est dedans, c'est Dieu. Mm-hmm. Vraiment, ça s'est bien passé. D'accord. Ça s'est bien passé. Okay. Ça s'est bien passé. Sans oublier ma femme qui était près de moi. D'accord. L'opération, c'est pas facile. Tu souffrais de quoi exactement? Bon, je souffrais des hernies médicales dans. Je sais pas, on est. Hernie discale. Oui. Mm-hmm. Mais pourquoi les gens parlaient de appendicite? Non. Non. Ah, c'était une hernie discale. Oui, ça est là. Dieu merci, ça va, ça s'est bien passé. Mais voilà. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Bon, moi, depuis petit, avec ça, je voyais, c'est pas pareil, c'est que les gens ont dû faire de nourriture. Non, c'est tout pas ça, ça, parce qu'on a entendu voilà, comme des bruits de couloir, comme si c'est la nourriture que tu mangeais exagérément voilà, qui t'a donné ça. Non. Non, ok. Hernie médicale, bon, il y a longtemps, il y avait ça, bon, on avait serein les moyens. Mm-hmm. Je ne pouvais pas me coller à les gens pour du temps. Mmh. Quand j'ai vu et gagne un peu l'argent, voilà, où moi-même je suis rendu dans un hôpital pour demander, faire mes opérations moi-même, payer les soins moi-même, sans oublier que les jeunes qui m'ont soutenu. Mmh. Et les soins, oui, les soins que les soins médicaux, là, ça t'a coûté cher? Bon, si on veut voir, j'ai dépensé au moins 350 000. Ben, l'opération n'est rien, mais c'est les médicales, les traitements, voilà, vraiment. J'ai dit merci à Kirejan de me soutenir, j'ai dit merci à Yakous de Tok, société taxi Yakous de Tok, je lui dis un grand merci de me soutenir, j'ai dit merci à Kula Chukari, Carrefour de Bazin de me soutenir, j'ai dit merci à Ablo Jaguar de me soutenir. Vraiment, ça s'est bien passé, oui. Donc, ils t'ont donné de l'argent pour que tu puisses suivre ton traitement, c'est ça? Oui. C'est pour ça que tu les remercies beaucoup. Oui, mais dans la vie, il faut toujours reconnaissant. Mais pourquoi tu attends notre émission pour remercier tous ceux qui t'ont fait du bien? Après l'opération, tu ne les as pas appelés? Non, mais vous m'avez demandé, ils souffraient de quoi? Mm-hmm. Quand même, il faut toujours passer une chaîne. Fafan nous regarde, dit la vérité. Mais le fait d'avoir Il a cité tous les noms, mais je n'ai pas entendu le roi 12-12. Non, je venais. Il lui a pas donné là peut-être. Non, moi je venais. Ah, donc voilà. Continue alors. Voilà. Donc pour venir, on va voir maintenant. Voilà. Le roi ne m'a pas donné l'argent, mais il m'a appelé pour me souhaiter bonne guérison. Ah, okay. Normal, voilà. Il t'a trop donné l'argent. Moi, voilà, moi avec le roi, c'est pas aujourd'hui. Mmh. Voilà. Et qui t'a présenté le roi 12-12 et puis on ne peut pas respirer là. Ah, ok. Le roi 12-12, j'ai dit d'abord merci à mon frère comédien Yaro. Yaro, comédien qui est au Mali. Okay. Voilà, il y a longtemps, il regardait les trucs de le roi sur télévision, ses packs, ses machins. Mm-hmm. Quand Yaro est venu à Abidjan une fois, on a fait un petit sketch ensemble. Un sketch. Voilà, quand on a fini, il lui a dit, ah, ça, tu peux me mettre en contact avec le roi 12-12. Il dit, ok, Dieu merci, allons doucement, c'est rentre au Mali. Je vais le voir. Mm-hmm. J'ai fait qu'un jour, j'ai fait une vidéo pour donner à Yaro. Mm-hmm. Yaro a donné à le roi. Mm-hmm. En même temps, le roi m'a appelé pour me donner 1 million.
Voilà. C'est pas la fameuse vidéo où tu pleurais pour dire que c'est là que toi, ton rêve dans ta vie, c'est de voir le roi tout et tout. Oui. Oh, t'as vu à l'aéroport en train de... Non, c'est pas ça. Il a fait une première vidéo. Il a fait une première vidéo. Et dans la première vidéo, j'ai vu la première vidéo. Voilà. Où tu étais pratiquement en larmes. Oui, pour dire que toi, ton rêve, c'est de voir le roi et tout et tout. Et là, le roi t'a offert les 1 million. Oui, oui. Après ça, maintenant, quand t'as dit venez à Abidjan, c'est là... Oui. À distance, tu as pris 1 million. Donc, tu t'es dit que des prêts, tu peux prendre 100 millions. Donc, tu as commencé à ramper en même temps. C'est ça. Non. Non. Bon, comment ça s'est passé exactement? Raconte-moi. Le roi, quand il m'a envoyé 1 million, quand il venait en Côte d'Ivoire, il a pris son téléphone pour m'appeler, pour me dire, allô, le père d'Aloi, je viens en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas venir sans te voir. Déjà, le geste... Il m'a plu, hein. Et voilà, oui, ça m'a touché. Un milliardaire, il prend son téléphone pour m'appeler. Je viens chez toi. On voit d'autres, c'est cash. Il vient, il t'appelle même pas. C'est vrai. Voilà, vraiment, son geste m'a plu. Ça t'a touché. Voilà, ça m'a touché. Quand on a fini de communiquer, je lui ai dit, ah, le boss, est-ce que je peux aller t'accueillir à l'aéroport? Il dit, si tu veux. Si tu veux, c'est un groupe français. Ouais. Si tu veux. Ça dépend de toi. Voilà. Non. D'abord, quelqu'un qui t'a rendu service, il te dit si tu veux, quand même, on est tous hommes ici, on sait comment... Non, le père d'Aloi, moi, quand tu me dis si tu veux, c'est comme si tu n'as pas trop envie, mais ça dépend de moi, quoi. Non, non, non. Voilà, c'est pour ça que je perçois la chose. Non, c'est le roi qui m'a appelé. Il pouvait venir faire son séjour à Abidjan sans m'appeler. Ouais. D'accord. Quand même, il m'a appelé, il m'a respecté. Il t'a informé. Voilà, je viens en Côte d'Ivoire. D'accord. Tu vois un peu. Mais c'est toi qui as proposé d'aller le chercher à l'aéroport, d'aller l'attendre à l'aéroport. C'est pas lui qui t'a demandé ça, non? Non, quand on a fini de communiquer, moi maintenant, je suis assis, je rappelle le roi. J'ai dit, allô, bon, est-ce qu'il peut aller... Tu as vu ton agent, en fait. Est-ce qu'il peut... aller t'accueillir à l'aéroport. Non, c'est comme on te dit que bon, tout allait. Les supporters qui sont allés croiser Messi, tout n'est pas à cause de l'argent. Il y a d'autres qui sont allés à cause de Messi. On a vu ici, il y a d'autres qui ont crié dans la rue. Le père d'Aloi, si le roi 12-12 t'avait pas donné 1 million d'abord avant la rencontre, est-ce que tu allais proposer d'aller le chercher à l'aéroport? Oui. Non. Non, non, non. Il y a longtemps de cela, il cherchait à le voir. Il y a longtemps, c'est l'homme qui fait l'homme. Tu pouvais attendre qu'il arrive à Abidjan. Pourquoi aller le chercher nécessairement à l'aéroport? Parce qu'il y a tes intérêts derrière. Non. Parce qu'on t'a vu, le roi 12, on va revenir à cette vidéo qui a fait le buzz sur la toile. Oui. Je termine. Oui. On a vu cette vidéo où, mais tu as porté un gros pantalon Mougouba façon drapeau là. De Mali, à côté du roi. Du Mali. Oui. Et ce qui a choqué les Ivoiriens, c'est le fait que tu te sois mis à genoux en train de ramper comme un reptile. Oui. C'est ça qui nous a choqué. Oui, oui. Voilà. Pourquoi ce geste vis-à-vis du roi du Maroc? Est-ce que c'est un dieu? Pourquoi tu te prosternes à ses pieds? Oui. Pour 1 million? Ok. Moi, j'ai fait ça. Je n'ai pas fait ça à cause de 1 million. Tu sais que les 1 million, tu penses que c'est tout le monde qui donne l'argent à l'homme? Tu sais, les restes au Mali pour dire le père d'Aloi était, on va prendre 1 million. Pendant ce temps, il n'était pas chez vous ici. Il est resté au loin pour m'envoyer 1 million. Il n'était pas chez nous. Non, aussi chez toi. Non, non, non. Moi, aujourd'hui, moi, je suis devenu malien. Dis ça à tous les Ivoiriens. Oui, parce que pensez comme vous voulez. Il a vendu sa nationalité. Oui, okay. Nationalité, je vends. Mais les joueurs, même là, tes joueurs français qui jouent, les Fofana qui jouent en France, là, ils sont quoi? Mais eux, ils vivent là-bas. Ils vivent là-bas. Toi, tu viens en Côte d'Ivoire, tu vends ta nationalité. Oui, comme les joueurs là. Quel oui, ils sont comme les joueurs. Ils sont professionnels, ils ont pris le ballon. Hein. Mais le non, pire, non, c'est que eux, ils vivent là-bas. Non, non. Toi, tu ne vis pas au Mali. Je n'ai pas rampé parce que le roi, il m'a donné 1 million, il partait encore pour ramper. Le geste qu'il a fait, on est tous la même chose. On est là, on sait. Quelqu'un qui va prendre ton téléphone, on voit les stars ivoiriens ici, tu les appelles. Il y a les numéros, ils te donnent au lit. Demain, tu appelles, ça ne passe pas. Après, il a perdu son téléphone. Non, 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 il n'a pas perdu, on connaît. Ne te jette pas. Mais quand vous aimez trop demander l'argent aux célébrités, c'est pour ça qu'elle aussi, elle vous jette. Ce qui ne fait rien, c'est eux qui demandent. Moi, le père d'Aloi, moi, il vend mes ceintures, il vend mes sacs. Je n'ai pas honte. J'aimerais payer mes trucs, il publie. Oui, il publie. Donc, je comprends bien. Oui. À part ce que. Bon, la chose pour laquelle les gens te reconnaissent, c'est qu'on dit tu rampes, ou tu as demandé l'argent. Oui. Donc, à et part puis, tu ça, tu as travaillé. Oui.
Moi? Oui. Oui, je suis commerçant, il y a mon petit magasin. Où ça? Ah, okay. C'est au Maraoué. Ah. Il me débrouille, il vend les sacs, il s'intuit, il me promène. Mmh. Même la voiture, même là, il y a mes bagages dedans. Après, tout, il vend à mes connaissances un peu. Mmh. Souvent, il publie. Il vend les ceintures. La voiture dont tu parles, c'est la voiture qu'on a vue. On t'a vu dedans il y a 5 jours. Tu dis que c'est le roi qui t'a offert ça? Non, non, non. Non, c'est moi-même. Je veux toujours rendre le roi grand. Je ne suis pas découragé. D'accord. Je suis tout en donné. Donc, si je comprends, mais c'est pour ça que dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui ont mis ces idéologies. Par exemple, voilà. J'ai vu plein de commentaires où les gens disent non, c'est idéologie. Oui, oui. C'est pas ta voiture. Oui. Ah, c'est pour le roi. Oui, parce que ici, on est dans une chaîne de télévision. Ok. Voilà, on est dans une chaîne de télévision, on dit la vérité. Mmh. La voiture, c'est pour un de mes petits. D'accord. Bah, il quittait ou ma maladie dès qu'on s'est vu. J'ai dit, bon, je vais créer un petit truc. Voilà, c'est pour rendre le roi grand. Mmh. Je ne peux pas le rendre petit. Mmh. Bah, moi, il y a longtemps, sous la foque. Quand tu aimes quelqu'un, faut le mettre jusqu'au bout. Donc tu es prêt à mentir pour rendre quelqu'un grand? Moi? Justement. Ben, c'est ce que tu as fait. Oui! Oui, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Mentir pour rendre quelqu'un grand? Non, il ne ment pas. Revenons à l'aéroport. Non. Non. Il ne ment pas pour le rendre grand. Je suis un homme de baisse. Mm-hmm. N'importe quel est, il peut debout pour faire mon baisse. Si ça a pris, c'est ça. Ça n'a pas pris, c'est ça. Mm-hmm. D'accord. Le père d'Aloua. Oui. Revenons à l'aéroport. Oui. Je veux dire, tu pouvais tout simplement t'arrêter dignement, oui. comme un homme, oui. comme l'homme que tu es, respectable que tu es, oui. pour accueillir le roi 12-12. Oui. Mais pourquoi avoir rampé comme un reptile? Tu fais partie des reptiles. Tu es un humain ou tu es un reptile finalement? Non. Et puis, ce n'est pas la première fois que tu rampes. On t'a vu dernièrement ramper dans une vidéo encore pour encenser je ne sais qui. Mais quand tu veux encenser le père, mets-toi debout, tu es un homme. Pourquoi ramper comme un parent? Mais souvenir ramper, souvenir donner conseil à les artistes, à les tristes, chacun rampe au lieu pour prendre. C'est non. pas faux. Non, non, non. Les gens ne rampent pas, c'est toi seul qui rampe. Non, moi, même demain, le roi est là, il fait plus que ramper. Mais pourquoi le père d'Aloua, justement? Mais c'est... Dieu me dit faut respecter le riche. C'est un riche, il a l'argent. Donc les pauvres ne méritent pas le respect? Le pauvre, on respecte le pauvre. Mais le riche avec le pauvre, ça ne peut pas être la même chose. Oh. Ça ne peut jamais être la même chose. Le père même si le roi il vient demain à l'aéroport, il fait plus que ça. Ce que tu dis, c'est très grave. Hein? Non, non, non. N'incite pourquoi? Pas nos frères et sœurs à ramper devant un soi-disant riche. Oui. Ça ne se fait pas. Moi, aujourd'hui, j'ai pris Dieu en Côte d'Ivoire. Et pas que les réseaux disent qu'on dit le père d'Aloua allait voler ou bien le père d'Aloua allait braquer. Il ne prie pas Dieu pour ça. Tout ce qu'il peut faire un peu pour chercher mon pain dans la main des riches, ça franchement, il n'y a pas quelque juste chose. Juste à ramper comme verre de terre là. Oui, ça fait quoi? Même toi, même demain, si tu me donnes 2 millions ici, non, toi, tu me donnes 2 millions. Là. Non, si tu me donnes 2 millions, demain, il dit que le père d'Aloua, il quitte au Mali, il vient à l'aéroport. Hein? Il sera plus que c'est pas, mais pour le roi, il sera plus. D'ailleurs, même là, pour commencer, je ne vais même pas te donner mes 2 millions et je ne vais même pas te laisser ramper comme un pharaon. Devant mon poussin, pourquoi? Non, je n'ai pas aimé ton comportement. Non, il faut aimer. Il faut aimer. Bon, sans les effets, il faut aimer. Ok, tu as dit dans une déclaration de délégation que bon, c'est vrai que c'est pour moi, on voit, il rampe. Oui. Mais il y en a qui se cachent. Oui. Il fallait demander l'argent au père d'Aloua. Tu peux citer la liste des noms? Au roi 12-12. Le roi 12, ouais. Moi, tu as vu qui? Non, qui, là-bas? Ceux qui vont demander dans la vie, nous tous, il y a plein d'hommes qui quittent. Ici, pour aller au Mali, pour voir le roi. Oui. Ils vont le voir. Mais moi, je le connais pas. Mmh. Chacun va expliquer son problème. Il y a d'autres qui ont la chance avec lui. Il y a d'autres qui n'ont pas la chance avec lui. C'est pas pareil. Tous ceux qui vont, ils gagnent. Mmh. Voilà. Quand tu aimes quelqu'un, ben, quand tu vas tenter ta chance, ça peut marcher, ça peut pas marcher. Mais c'est la liste des noms des personnes qui vont... Non, je ne le connais pas, c'est pour moi je connais. Uh-huh. Je suis connu en Côte d'Ivoire, uh-huh. en tant que le gris de le roi 12-12, le rampait. Le rampait. Voilà, oui, il y a certes le nom. Mais vous, oui, le vous rampeur. Voyez, voilà, vous voyez, ils ont fait son pour moi, les vieillards. Le voilà. Mais quand tu dis les vieillards, tu veux parler d'eux pour dire qu'ils se cachent, je vais aller prendre la main. Mais on a vu quand le roi était à Paris, oui. Avec Apoutchou, avec Vidéa. Ils ont rampé. Mais non, c'est pas question de ramper. Mais donc ils ont pris un peu. Ça, je ne suis pas témoin, mais eux tous sont là pourquoi? Pourquoi c'est pour moi qui fais mais mal? Mais tu n'en sais rien. Peut-être qu'ils sont là juste pour faire connaissance avec le roi, parce que non. C'est seulement pour lui demander de l'argent. C'est amitié. Si c'est le roi. Ça, bon, si c'est amitié pour moi, si c'est amitié, voilà pourquoi il rampe. Mais c'est amitié rampant. Oui. Ah ok. Moi ça me tient. C'est un reptile. Moi je suis pas contre quelqu'un. Tout le monde sait le roi c'est un chef. Il va toujours mourir de chef. Il sera chef. Ce mec qui parle là.
On n'a pas besoin de parler. Pour ramper devant Dieu. Bah, alors, non. Alors, je rampe, même au lieu, soit assis devant vous. Mm. Je rampe devant Ici, moi. On va te laisser rampe, en tout cas, il n'y a pas d'espace pour ça. Non, devant Dieu, même au lieu, à 5h du matin, j'étais à la mosquée pour demander pardon à Dieu. Voilà. Donc, quand tu finis de ramper devant lui-même, il va demander pardon à Dieu. Non, 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 il m'a prié, tout ça là, c'est là. Je suis musulman. 5h, chaque 5h, soit à la mosquée. D'accord. 13h, il prie. Il fait tout mes trucs, mais je sais que les parents sont musulmans. Il prie. Voilà. Là, mais alors, Chola, tu sais, il y a une question qui me trottine à l'esprit. Parce que c'est cette histoire du roi 12-12, des gens qui se cachent. Hein, le père d'Aloa, je sais qu'il a beaucoup d'informations. Il a des papos, il ne veut pas dire. Il ne veut pas nous dire. Il a peur des représailles. Peut-être que il je n'assume sais pas. Bon, quels sont les rapports entre le roi 12-12 aujourd'hui avec Matidola, par exemple? Parce que nous, on l'a reçu sur le plateau ici. Matidola nous a dit non, que c'est son vieux père. Alors que d'autres disent qu'elle sort avec lui. D'autres disent qu'elle sort avec lui. Pour toi qui es proche du roi. C'est quoi le vrai son? Non, mais quand vous avez dit qu'il est sur le proche de le roi. Mais c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Le roi au Mali, c'est là-bas il vit. D'accord. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ok. Si Matidola a dit que c'est son vieux père, c'est son vieux père. Je trouve ça que c'est bon. Dans la vie, quand quelqu'un est bien, c'est son vieux père. Mais son vieux père comment? Parce que il y a vieux père. Et puis il y a vieux père. Non, ces gens de trucs, ils sont petits dans cette histoire. Non, quand tu es petit, tu es le proche du roi. Non. Je suis petit dans cette histoire. Matidola est le roi du 12. Ils se connaissent avant moi. Ils se connaissent avant moi. C'est même pas même niveau. S'il dit c'est son vieux père, c'est son vieux père. Et c'est rapport avec Kidoxi Yao par exemple. Tous ceux-là sont devant moi. Je suis niveau. Toi, tu es nouveau. Donc, voilà, ici, se passe avant toi. Toi, tu ne sais pas. Non, il sait pas. Matidola est venu dire ici qu'il y a un Izuno qui a demandé une voiture au roi 12-12. Tu as eu ce son-là ou pas? Bon, ça, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Finalement, oui, ça, tu ne sais rien. Pas. Tu ne sais que ramper. Voilà. Oui, c'est tout. Ça, je ne sais pas. Alors, roi 12-12, revenons à ta nationalité. Tu as dit un truc que tu es malien, qui choque un peu. Enfin, moi qui me choque, je ne sais pas si ça va choquer les téléspectateurs. Oui. Mais moi, ça me choque quand tu dis que tu es devenu malien à l'heure actuelle. Donc, pour ramper devant le roi 12-12, tu as bradé. Je ne dis même pas que tu as voulu. Tu as bradé ta nationalité pour devenir malien. Qu'est-ce que le roi 12-12 t'apporte que la Côte d'Ivoire ne peut pas t'apporter? Le père et la loi. Merci. Ce que le roi me porte, ça c'est moi avec Dieu. Voilà, on n'a pas besoin de trop parler. Il y a beaucoup de choses. Ce que le roi me donne, c'est moi et Dieu. Ben, c'est le secret. D'abord, le déplacement de le roi chez moi, ça m'a ouvert la porte. Vivement que le roi se déplace chez moi aussi. Hein? Non, je viens. roi, son déplacement chez moi, ça m'a ouvert la porte. Quand il voit qu'il y a un fauteuil de 5000 francs, il allait s'asseoir dedans, voir ma famille, voir ma femme, mes enfants. C'est plus que l'argent. Il n'y a rien de nouveau. Voilà. On voit des gens qui ont tout pour venir te rendre visite. C'est dire que le quartier que tu es là, voilà, ça ne me ressemble pas. Donc, dans la vie, c'est l'homme qui enterre l'homme. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que quelqu'un. Si tu sais que demain tu vas mourir, c'est l'homme qui va t'enterrer. Tu dois respecter tout ce qui vient vers toi. Il faut respecter. Ça, ce n'est pas question de l'argent. On a bien compris, voilà. Le père d'Aloa. Mais c'est pour ça que tu es devenu malien. Tu ne veux plus être ivoirien à l'heure actuelle. Oui. D'accord, mais donc déménage. Mais prends tes bagages et puis va habiter au Mali. Pourquoi tu es encore chez nous et tu te balades sur nos plateaux de télévision pour t'exprimer? Ici, on ne rampe pas. Okay. L'ivoirien ne rampe pas, le père d'Aloa. Donc, si tu veux ramper, nous allons t'accompagner en rampant. Tu vas ramper jusqu'à l'aéroport. On te met dans un avion et tu ramperas au Mali. Mali. Tu es prêt à faire ça? Même matin, là, mais je suis prêt à l'ouvrir. Il n'y a pas de problème. Le roi, même matin. Le roi, donc, le roi, c'est le roi qui a fait la salle. Le roi, même à côté. 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 Pour moi, au Mali, de déménager. Bientôt, il sera là-bas. Donc, le roi 12-12, pardon, viens chercher ton reptile rampant et allez-vous-en. Il n'y a pas de problème. C'est tout. Le roi, fais vite et rentrer au Mali. À cause du roi 12-12, d'abord, va nous parler mal. Non, il ne vous parle pas mal. Je vous parle pas mal. Non, le père, on peut réunir sa nationalité comme ça? Non, mais non. Non. Quand on se cherche, la nationalité là, les joueurs français là, ils sont remplis de Koyaga, les Kourobolais, mais vous ne vous plaignez pas, c'est donc tu as dit quoi, l'équipe de France qui a joué récemment, c'est les Koyaga, les Fofana, les sont quoi? Babé là, c'est un quoi? Ah, mon cher, c'est un quoi? Babé est quoi? Ils se cherchent, moi je vois qu'ils sont forts, ils se cherchent, dans la vie, un homme qui se cherche, vraiment, moi je prie Dieu, ne dis pas que celui-là a volé, c'est un vol seulement qui peut s'allier un homme. Non, le reste là. Voilà, sinon tout le reste, c'est bon,
respecte le riche. Il dit ça à tout le monde. Bon. Quand tu te cherches, il faut respecter le riche. Ok, c'est le père d'Aloa, on t'a connu sur la toile. Là, hein. La première fois qu'on t'a connu, c'est... Moi, il n'ai pas l'argent pour construire. Nous, on a l'argent pour manger. À mon an, c'est cul. En temps là, tu as presque fini de construire. Donc, toi, tu te foutais des gens. Il se fout des gens. Donc, le père d'Aloa n'a pas compris des gens. Ça commence à y rentrer. C'est-à-dire que toi, tu as pris des gens comme des bêtes, des zouzous. Non, 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 non. Tu incites nos frères à manger. À ne pas construire. Alors, les gens à manger, à ne pas construire. Et puis, toi, tu te caches pour aller construire. Tu t'en construis. Ok. Il faut nous expliquer ça. Merci beaucoup. Il n'y en a pas l'un pour construire, il y a l'un pour manger. Ce qui est dans nos vannes, c'est ça qui est pour nous. Amona, c'est cuit. Ok. Maintenant, tu te caches. Ça n'est plus dans ton ventre, ça est dans brique-brique. Ok. Merci beaucoup. De rien. Sais, vous savez, quand t'envoies, il faut savoir t'envoyer. Ah! Chola, tu as vu, il t'a dit. Quand t'envoies, il faut savoir t'envoyer. Ça arrive. Il fait d'abord big up. Alors, honorable député, maire de Guingouin, Simi Diabaté, pour lui donner Dieu n'a d'une longue vie, surtout santé, bonheur. Mais pourquoi? Voilà, tu sais pourquoi? Pourquoi? Voilà. Celui m'a donné terrain. Cadeau. Ah, cadeau. Mais tu vas à mon an, c'est cure, donc cadeau. Celui, il m'a donné terrain, cadeau. Ce monsieur, il plaît. Il n'a pas l'argent pour construire, il a l'argent pour manger ce qui est dans nos ventes. C'est ça qui est pour nous. Maintenant, si on lui donne terrain là, il veut voir qu'est-ce qu'il va faire. Voilà pourquoi quand on dit quand t'envoies, il faut savoir t'envoyer. Qu'elle m'a donné avec tous ses documents, avec permis de construction. Il t'a donné ACD, tout, tout ça. Tout. Qu'elle m'a tout donné. Il dit, ah les gars, moi-même, j'ai dit ça devant chaîne télévision. Mon sac de vente que vous voyez que je vends les ceintures là, par jour, je mettais 10 000. Un mois, ça me faisait 300 000. Il a gardé l'argent, au moins 3 millions 800. Où le roi il m'a envoyé 1 million, ça il est pris maintenant pour caler. Il a pris les 3 millions pour aller donner à l'honorable. Aidez-moi vraiment des tristes. C'est toi qui m'as donné terrain. D'accord. Voilà. Le père d'Aloa. Oui, il n'a pas mangé les 3 millions. Hein. Non, il n'a pas parlé maintenant. Il l'a mis dans le. Non, on m'a. Toi. On dit, voilà pourquoi quand on dit, quand t'envoies, il faut savoir t'envoyer. Donc toi, tu as envoyé les gens. Et puis toi, tu es venu, ça va s'envoyer. Non, non, moi c'est un message. Oui. C'est un message. Mais est-ce que c'est toi qui as envoyé ton message? Si moi, il y avait 5 000 francs, ou bien il n'y avait pas de terrain, on sait qu'il y a là. Je sais que ça ne peut rien faire à Abidjan. Ça va rester dans la caisse. Et puis, il veut manger un peu, lui et maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur m'a donné terrain. Avec tous ses documents. Quand même, il faut l'encourager, il faut l'honorer. D'accord. Ah donc c'est pour lui que tu as le construit, quoi. C'est pas pour aller mais, tu sais, quand va construire au Mali. Quand quelqu'un te donne un coin, toi comme ça, tu me donnes un coin, vraiment il te respecte. Je vais t'aimer ce que tu as donné. On voit des gens, on donne terrain, ils vendent. Ça en valeur. Ils vendent. Au pire, demain, il est là. Mais je ne l'ai pas vendu. Mais je l'ai dit, pourquoi tu n'as pas le construit au Mali? Mais pour Mali, là, il te dit que le roi a payé 3 villas pour moi. Voilà. 3 pièces. Mais pour Mali, ça est là-bas. Il ne peut pas aller là-bas. Qu'est-ce qui t'empêche d'arriver là-bas? Tu n'as pas de transport. Maintenant, les joueurs qui jouent en France, là, il faut les chasser aussi pour rentrer dans le pays. Moi, je ne parle pas des joueurs qui sont en France. Qu'est-ce que le roi t'a fait? Le père. Non, moi, je n'ai pas de problème. Mais le roi, c'est très bien ce qu'il fait pour toi. Mais je veux dire que ne compare pas ta situation aux joueurs français. Les joueurs français, là, attends. C'est la même chose. Non, laisse-moi te dire. C'est la même chose. Attends, je vais terminer. Le père, attends. Oui. Eux, ils ont pour ils la plupart, ils sont nés et ont grandi là-bas. Mais moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Avant que nous oui, mais je suis né en Côte d'Ivoire. Justement, toi, tu es né en Côte d'Ivoire. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Mais tu viens de nous dire je une chose. Je suis né à Beauville. Tu viens de nous dire une chose. Mais pourquoi tu me dis? Tu viens de nous dire toi-même que tu ne veux plus être Ivoirien. Toi, désormais, tu es Malien. Mais chaque jour, je vous dis ça. Mais donc, va t'en de notre. Les Maliens disent la vérité. Quand les Maliens promis le père d'Aloa, ça serait. Mais le père. Mais en même temps, n'oublie pas. On lui a donné un terrain récemment. Mais je me souviens dans le temps, il y a quelqu'un. Un honorable député qui avait dit qu'il donnait un terrain aussi au père d'Aloa. Oui. On ne va pas le citer. Ouais. On ne pas faire de polémique. Mais qu'est-ce qu'il en est de ce terrain-là? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Il te l'a donné, oui ou non? Il y a une déclaration. On t'a vu même bras dans bras, lui, sur les réseaux sociaux. En plein love. Mais moi, sur les plateaux, moi, je ne mens pas. Hein. Ce que vous avez vu, il ne m'a pas donné. Ah. Il ne m'a pas donné. Voilà, il était le premier à me promis, mais il ne m'a pas donné. Là, il s'est dit que tu avais voyagé l'esprit des gens pour le construire dessus aussi. Ah. Non, il ne m'a pas donné. Et qu'est-ce qui a constitué le blocage? Je ne sais pas. Et tu ne lui as pas demandé pourquoi le blocage? Moi, je ne sais pas. Toi, tu me dis, le père d'Aloa, je te donne ça. Tu me dis, tel jour, je t'appelle une fois, deux fois, trois fois, tu ne décroches pas. Et vois que ce que tu as dit là,
C'est pas vrai, moi, il reste dans mon coin. Ah, d'accord. Oui. Ok. Mais cherche à le rencontrer, peut-être qu'il y a une raison à ça. Bon, après, il s'est dit, peut-être que s'il te donne le terrain, tu vas brader ça pour aller manger. Non, non, non. C'est lui l'a dit, quand on est un homme, c'est la parole. Il ne peut plus courir derrière lui. Défalé. Voilà. Quand il faisait leur dire, il n'était pas témoin. C'est ça. Donc, on va pas trop parler. Moi, il ne peut plus courir derrière lui. Alors, le père Galois, quel est ton rêve le plus cher sur cette terre des hommes? Quel est ton rêve le plus cher? Le plus? Ton rêve, ce que tu rêves. Oui. Ton plus beau rêve, c'est lequel? Mon plus beau rêve? Ouais, que tu veux réaliser. J'ai pris Dieu. Déjà, je suis là pour construire à Guingouin, mon plus beau. Abidjan, je ne vais pas quitter. J'ai pris pour que Dieu me donne un coin pour qu'il puisse construire ça à Abidjan. Voilà. Donc, tu ne pries plus pour que Dieu te donne manger. Tu as mangé, tu n'as pas l'âme pour construire. Il est rassasié à comme tu es rassasié là. Maintenant, ceux que tu as entraîné dedans, là, eux, ils n'ont qu'à rester là-bas. Non, mais s'ils ont continué à manger, ils vont les mettre dehors. Pour moi, c'est un message. Tu avais compris, tu es méchant. Non, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Non, dans la vie, quand t'envoies, il faut savoir t'envoyer. Maintenant, toi-même, on m'a donné le terrain, là, il est bien en valeur. Toi-même, tu es content. Vous lui dites, quand toi, tu t'assois, vraiment, le père Daloa, il a lutté pour arriver là. Je suis content pour lui. Il n'est pas gaspillé. Il a bien tri. C'est rampé la qualité, là. Bon, enfin, bref, chacun voit midi à sa porte. Le père Daloa. Oui. Revenons au terrain que le maire de Guingois t'a offert. Oui, oui. Déjà pour commencer, il t'a donné ça gratuitement, hein, oui, parce qu'il aime bien ta gamme et tout ça, c'est ça. Mais attends, je suppose que le jour où il t'a donné le terrain là, tu as fait plus que ramper. Parce que pour un million, tu rampes devant le roi 12-12. Donc pour un terrain à Guingois, de combien de mètres carrés déjà? C'est 600, non? 600 mètres carrés, ce qui n'est pas rien, c'est énorme. Donc là, tu n'as pas rampé. Là, tu t'es envolé. Non. Ce que j'ai fait même pour le maire de Guingois, c'est plus que ramper. Vous savez, un homme qui se déplace à Abidjan pour aller chez un bureau de vote, tu sais c'est quoi il donne? Ma femme, bientôt, il va aller chez un bureau de vote pour lui. Donc, tu donnes ta voix. Ouais, il donne. Et puis, chaque campagne, je suis là-bas avec lui. Ah, tu fais sa campagne pour lui? Oui, il me déplace. Je suis avec lui. Je suis reconnaissant tous ceux qui sont avec moi. Voilà mon problème qui est là. Quand les gens ne parlent tant pas, je suis quelqu'un... Tu me donnes 5 francs, tu me sauves, ça est là. Tu demain, pas. Non, jamais. La reconnaissance. Voilà. Demain, moi, Daloa, dis-moi seulement ton truc est là. Même si c'est mon chaos là, il prend venir te donner. Bah, il oublie que tu n'es pas bête. Tu as fait ça à cause de demain. C'est comme ça. Mais on t'a vu aussi ramper pour annoncer le conseil d'Obama, parce que c'est très bien passé. Félicitations à Obama. Oui. Ouais, pour annoncer son conseil, on t'a vu aussi sur les réseaux sociaux, tu tentes de ramper. Ils t'ont donné un peu. Forcément, il ne rampe pas pour rien, lui. Lui, il ne rampe pas pour que dalle. Hein. Non, forcément, Obama, il a donné quelque chose. Obama, il fait ça par rapport à son parrain. Son parrain, c'est un frère à moi. Il a donné un peu. Ouais. C'est, non. Qui, c'est qui le parrain? Non. Il s'appelle non. Comment? Non. Tu cherches le parrain aussi, mais. Non. Mais le père d'Aloa, il est quelque part, c'est qu'il y a les billets craquants. Ah. Son parrain, c'est un frère à moi. Il s'appelle comment? Il ne peut pas te dire son nom. Je suis là que la richesse d'un parrain. Moi-même, je suis un parrain. Voilà, son parrain, c'est un frère à moi. Il est bien. Bon, quand il m'a appelé, bon, il a fait cette vidéo pour donner à le parrain. Ce n'est pas au banc même qui est donné. C'est le parrain même qui est donné. Mais est-ce que tu es obligé de rentrer la vidéo? Mais ça, c'est pas rampé. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? À quatre pattes? À quatre non. Non. Il a dit chewing-gum dans l'air. Il me soumet quoi pour danser chewing-gum dans l'air? Mais Obama, mais ça, quand lui donne chewing-gum dans l'air, il est sur ses deux pieds. Toi, tu étais à Califourchon pour quoi? Ah, le père. Moi, je vais toujours faire la différence. Je vais pas faire la même chose. Voilà, lui, l'artiste. Moi, je suis trigue. Je cherche à faire toujours la différence. Mais à un moment, tu faisais un challenge. Tu avais commencé une carrière d'Atalakou. Tu as arrêté ça? Non, non, non. Tu continues? Non, il continue. Tu as dans le studio alors? Bientôt. Tu vas payer tes CD. Mais toi, tu es là, tu as mes soutenus. Non, tu as mes soutenus. Non, faut pas faire ça. Tu as mes soutenus. Vous, comment tu vas payer tes CD? C'est une question qu'il a posée. Non, il fait à Talakou, il a les mots. Non, il va payer. Bon, il n'a qu'à faire un peu d'Atalakou. Je vais t'entendre le père. Donc, faut faire un bois. Oh, Bistangale, le roi du 12 vient me chercher en Côte d'Ivoire. Je vais quitter ici. Le roi vient me sauver. Le roi du 12 vient me sauver. Le père d'Aloua, pourquoi tu fais ça? Oh, Bistangale, le roi, papa. Je suis dévoilé. Mais le roi n'a qu'à te sauver. Mon père, tu es en danger en Côte d'Ivoire. Le père, tu es en danger en Côte d'Ivoire. Non, mais il n'a qu'à te sauver de quoi exactement? On t'a fait quoi? Je vous ai dit qu'il a fait de le roi.
C'est jusqu'à ma mort. Jusqu'à dire, viens me chercher. Oui. C'est pour qu'on t'a emprisonné. Oui, à la coule. Oui. Je vais te délivrer. Oui. Non, le père, j'ai pas aimé ton comportement là. Non, comment? Comment, maman? Le roi, pardon, viens chercher ton mon bienfaiteur. Le roi, c'est mon bienfaiteur. C'est mon bienfaiteur. Oh, c'est, mais tu trouves pas que c'est pas trop. Jusqu'à quoi? Viens me chercher. Viens me chercher. Je suis venu à Abidjan. Je suis venu à Abidjan. Avec chassé noir. Aujourd'hui, c'est Dieu fait grâce. Tous ceux qui sont avec moi, ils sont avec eux. Mais tu étais où? À Daloa, non? Non, j'étais à Daloa, de là-bas, je suis venu à Gagnoa. Ah, mais pourquoi on t'appelle le père Daloa? Non, là-bas, c'est mon surnom. Quand je suis venu à Gagnoa, mm-hmm. il s'y reste aussi. Mm-hmm. Puis les jeunes, maintenant, m'appelaient Daloa. Comme quand ils viennent d'arriver. D'un coin, ouais, genre. Voilà. Mais justement. Maintenant, c'est à Gagnoa. Mm-hmm. Le vieux a eu la chance pour payer un terrain mm-hmm. pour que la vieille ait un médecin. C'est là-bas. Mais c'est comme là. Tu te fais appeler le père Daloa et non, que ça... tu as bradé ta nationalité, il faut te faire appeler le père Mali. Comme okay. ça, on sera très heureux pour toi. Ok. Dès qu'il quitte ici, mm-hmm. il envoie les documents, le roi Doudouze, il va déposer à l'être, ils vont remplir, voilà, il va faire ça vite, il va m'envoyer. D'accord, le père Mali, tu l'as compris. Ton nom, elle est à l'état civil. Ah, Doumbia Boudraman. Est-ce que tu n'es pas un peu d'origine du Mali même déjà? C'est malien. Mais vous savez que tous ceux qui sont près de Krogo ou Guinée, là, on dit c'est les Maliens. Non, ça ne sert à quelqu'un qui veut retenir au sous. Mais moi, je viens de Kolia. Je suis près des Tengré là. Ok. Je ne suis pas loin des Maliens. Ah, donc tous ceux qui sont proches de là-bas viennent du Mali? Même tous ceux qui sont au Guinée là, eux tous viennent du Mali. Non, Guinée, Mali. Si ils ont fouillé, tout le monde vient de là-bas. Donc, laissez-moi. Ça, c'est le père Mali qui dit. Oui, c'est moi qui dis ça. Alors, mais pendant, là, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet assez sensible. Quand on parle de politique, oui. il y a le Mali et la Côte d'Ivoire qui ne sont pas trop dans l'odeur de sainteté en ce moment par rapport à tout ce qui se passe, les 49 soldats. Oui. On a vu des chansons sorties, des interventions des artistes et tout ça. Oui. On a vu même la diva Aïcha Koné qui a eu des prises de bec avec Afo Keïta concernant oui. ce sujet. Oui. Et tout. Aujourd'hui, il y a le roi Doudouze, il y a le père Daloa qui veut changer de nationalité pour devenir malien, tout oui. ça. Mais quel est ton message pour la paix, pour la réconciliation dans ce sens-là qui concerne ces deux pays? Ok, chez moi, en Côte d'Ivoire, Mali, il n'y a okay. pas palabre. Okay. Aujourd'hui, on vit ensemble. On est. Il y a toujours la paix. Il n'y a pas quelque chose qui va se passer. D'accord. Mon prière, c'est la paix. Dieu d'abord, quand tu attends Mali, c'est la Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina, tout cela, on vit ensemble. Mm-hmm. Il n'y a pas palabre entre nous. Dieu ne va jamais envoyer palabre. Mm-hmm. On va s'asseoir, on va discuter, puis on va s'attendre. Mm-hmm. Voilà. Et Dieu envoie la paix pour chaque pays africain, les entours. Pour ne pas qu'est-ce que tu penses du conflit concernant ce sujet par rapport à maman, la diva Aïcha Koné et Afou Keïta? Afou Keïta, c'est ma maman. Okay. Aïcha Koné, c'est ma maman. Tu as rampé devant les voilà, Dieu. Non, si je les vois, je vais ramper pour leur demander pardon, pour que nos cas se mettent ensemble, pour que la paix vienne dans les pays. Aïcha Koné, au moins qu'elle chantait, on était bébé. Ça, mm-hmm. on peut dire que sur nos tantes, ou bien comment on appelle, nos grands, mon grand, tu vois, non, Cédric, tout ce qu'il peut leur dire, c'est pour leur dire, nos cas mettent un peu d'eau dans les veines, nos cas se comprendre. Mm-hmm. Si les deux mains peuvent rentrer dans un studio pour faire un son, genre pour la paix en Mali ou Côte d'Ivoire, je sais que ça serait une bonne image pour eux. Okay. Voilà, ça va me faire plaisir si les deux peuvent se donner la main pour rentrer dans un studio pour faire, pour montrer à les gens qu'ils ne sont pas en palabre. On demande la paix, c'est que ça serait une bonne image pour nous tous. Alors nous et Dieu envoie la paix. Ouais, nous savons que le pays, le Mali, la Côte d'Ivoire sont des pays frères. Oui, oui, oui. Ce sont des pays vraiment oui, approchés oui. à cause oui. de, les liens sont. Oui, oui. Voilà, nous, il y a beaucoup de parents là-bas, oui, d'autres oui. parents ici, oui. il y a eu des enfants avec des Maliens et tout oui, ça. Donc oui. ça, c'est des choses, je oui, pense, qui peuvent s'y gérer. Mais maintenant, quand le roi, quand le père Daloa nous dit qu'il est prêt à changer de nationalité pour repartir au Mali, oui, on est censé se poser des questions à savoir si tu n'es pas malien même déjà avant. Bon. Quand on vous a dit de rester en Côte d'Ivoire, restez en Côte d'Ivoire. Non, t'as pas demandé de rester en Côte d'Ivoire. Non. Concernant, je le dis même direct, même aujourd'hui, là, tu vas ramper pour aller à l'aéroport et le roi 12-12 va t'accueillir à l'aéroport pour Divo Keïta de Bamako là-bas. Tu peux partir. Mais vous savez que le roi, même jour de mon anniversaire, il a pris son téléphone pour me souhaiter joyeux anniversaire. Okay. Vous voyez que c'est touchant. Oui, mais en dehors du roi 12-12. Hein. Le roi, il a pris son téléphone jour de mon anniversaire. Pour me souhaiter joyeux anniversaire. Mais le père... Mais ma marraine était à l'ouest, elle ne m'a jamais appelé.
d'accord. Elle m'a jamais appelé. Mais je l'appelle, je ne décroche pas. Quand quelqu'un dit qu'il va prendre son nationalité pour aller, ceux qui sont prêts pour toi, tu dois être prêt pour eux. Mais quand on dit qu'on t'a vu dans la soirée, tu dois être prêt pour eux. Dans l'anniversaire de Koufeu, là, quand t'a dit qu'on t'avait vu de Covid, là, tu as dit que tu n'étais pas là-bas. Non, je n'étais pas là-bas. Mais elle sait que je n'étais pas là-bas. C'était mon stage. Non. On te dit 6 millions, 3 millions, il y a quoi? Prison, qui va payer? Ah, c'est que tu n'as pas fait, tu dis que tu as fait. Mais en dehors du roi 12-12 hein, qui te décale un peu les petits jetons sur le côté, quel est l'ivoirien ou l'artiste ivoirien qui t'a déjà aidé en dehors du maire de Gagnoua, vraiment. Après le maire de Gagnoua, Sim Diabaté, d'abord big up pour lui, il dit merci à Salfo. Il dit un grand merci à Salfo. Okay. Maïs Sissem, je lui dis merci. Il dit merci à Kérezen. Vraiment, Kérezen, on dit, il m'a pris comme son fils. Voilà. Tu n'es pas plus vieux que Kérezen. Le père d'Aloua, tu as quel âge même? Moi? Oui. Mais tu as au moins 50 ans. Kérezen peut être ton père. Mais le père d'Aloua a un problème. Tous ceux qui rendent service à le père d'Aloua. Ils devaient être tes parents même temps. Non, il les met grands. Oui, tu peux les mettre grands. Même en ville. C'est tout à ton honneur. Quand il dit, mon vieux père, demande mes amis qui sont le père, c'est bon. Ça ne me gêne pas. Nous, on est d'accord avec. Mais toi, c'est ta manière de faire là qui fatigue. Le père d'Aloua, arrête-moi ça. Moi, j'ai. Non. Tu ne peux pas venir dire devant une chaîne de télévision nationale que Kérezen t'a pris comme son fils. Il faut dire non. Kérezen est mon petit frère, mais comme il a plus d'argent que moi, c'est pour ça. Sinon, le père, tu as au moins 50 ans. Kérezen, là, est-ce qu'il a 40 ans? Kérezen, Kérezen, c'est ce que tu dis là, je te comprends pas. Tu es un poitrinaire comme ça, tu peux dire que tu es l'enfant de Kérezen, arrête ça le père. Je suis l'enfant de Kérezen, c'est juste que maintenant, toi, tu non, sais. Non, arrête ça. Donc, tu es aussi l'enfant du roi 12-12. C'est son grand-père, faut pas t'amuser. J'ai dit merci à Salfo, puis Kérezen. Oh. Donc à Salfo, c'est ton arrière-grand-père. Oui, d'accord, on a compris. Ok. J'ai dit merci vraiment à Salfo de me donner 1 million avec 2 tonnes de ciment. Kérezen de me donner au moins 300 000 d'acheter ciment. Vraiment, je l'ai dit merci. Donc toi, tes parents, c'est au niveau des montants que d'autres devaient grand-père. C'est ça. C'est au niveau des montants. C'est que si tu as donné un peu, tu as le plus, tu as son grand-frère. Donc tu donnes plus, tu as son père. Avec un don beaucoup plus, tu es un grand-père. Maintenant, si moi, j'ai trop donné, là, c'est baissé. Non, le problème, je suis quelqu'un irréel. Irréel est bien fait pour partir. Ah, donc tu donnes les... Non, irréel est bien fait, c'est pas facile. C'est pas facile pour un homme pour donner 10 francs, non. Mais donc tu es vendu? Non, je ne me vends pas. Je n'ai pas dit que tu te vends, je dis que tu es vendu. C'est-à-dire que tu t'offres au plus offrant. C'est-à-dire que quand quelqu'un a l'argent, tu t'en rampes là-bas. Aujourd'hui, Kérezen, nouveau-né, il a beaucoup de poils dans sa bouche aujourd'hui. Hé, faut pas insulter mon homme. Non, je ne l'insulte pas, Kérezen, c'est mon père. Faut pas insulter mon homme. Aujourd'hui, Kérezen a laissé barbe, il y a beaucoup de poils sur le visage. Quand tu as dit que Kérezen est ton papa, c'est mon papa. Tu as honte de tes comportements, tu m'arrêtes. Non, c'est mon papa. Kérezen, c'est mon papa. Non, Kérezen, c'est un enfant. Moi, c'est mon papa. Service qui me rend là, moi je suis laissé. C'est mon papa. Vous montez là, vous voyez ça du coup là. C'est son père. Le jour le père va donner l'argent au père d'Aloua, il va réussir son ancêtre territorial. Eh, Dieu n'a qu'à t'attendre pour la zéro. Vous savez qu'on va te donner. Eh, Ado, il a envie de me voir. Il a envie de me voir. Alors, notre émission va bientôt tirer à sa fin. C'est un plaisir, le père d'Aloua, de te recevoir. Aujourd'hui, on est vraiment content parce qu'on sait que tu as traversé des moments difficiles de maladie et tout. C'était pas évident. Mm-hmm. Alors, Chola, j'ai une dernière question. Je t'ai entendu dire tout à l'heure quand on discutait avant l'émission. Oui. Tu parlais des chansons que certains artistes font sortir maintenant qui parlent de. Tu as dit que ça te dérangeait énormément. Qu'est-ce que tu reproches à ces artistes-là exactement? Bon, ce qu'il peut le dire, aujourd'hui où on est là, le monde est très très gâté. Les enfants vont à l'école. Il dit mais ça à les artistes, je ne suis pas contre eux. Mais quand ils veulent chanter, ils n'ont qu'à chanter des trucs qui peuvent nous toucher, qui peuvent nous faire pitié. Mais. Ça faut dire aux humains. Voilà, quand il dit. Quand tu chantes, Choumoum dans les reins, tu chantes, comme on appelle la leçon là, Aja, quoi là même là.
Chéri Coco, 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 Coco. Moi, quand mon fils quitte à l'école net, il rentre, il est là, chéri Coco, Coco. Il dit, mais c'est ça, on t'a appris à l'école. Ça me fait mal. Non, eux, les enfants qui te voient, toi, remplir devant les hommes, là, ça n'a pas les fait mal. Parce que, tu sais, non. Le père d'Aloi, tu m'excuseras, oui. Mais excuse-moi, hein. Tu fais l'hypocrisie, tu sais pourquoi? Oui. Tu as fait une vidéo où oui. Tu étais en train de faire. Oui. Il y a sur votre terrain un rampant. Oui. Aujourd'hui, tu te plains de la chanson, mais c'est de l'hypocrisie. Non, non, non. Quand il dit ça, il ne les insulte pas et il ne dit pas qu'il ne vaut rien. C'est pour leur dire vraiment, dis des messages qui peuvent. Mais ils n'ont qu'à s'améliorer. Voilà. Mais dis des messages. Pas moi, on dit, je paie l'école de mon enfant. Mm-hmm. Dès qu'il rentre à la maison, chéri Coco, 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 c'est nerveux. Il ne dit même pas qu'on m'a donné cette salle à défait. L'offert, arrête ça. Non, 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 c'est nerveux. Mais tu ne peux pas décrier le comportement de quelqu'un et toi-même faire la même chose. Non, aussi. Voilà. Oui, chacun son mouvement, mais moi, mon mouvement. Tu fais ton mouvement. Non, moi, mon mouvement qui est rampé là, il n'y a pas un enfant qui rampe. Si, il y a des gens qui rampent. Il n'y a pas un enfant qui rampe. À cause de toi. Non, c'était le débit. Ah, donc c'était le débit. Oui. C'était le débit de l'obèse. Oui. On voyait tous les bébés. Donc ton comportement n'est pas bon. Mais quand non, il dit. Le père d'Aloi a dit qu'au début, il a dit qu'on t'a envoyé ça à s'envoyer. Pourquoi? Et d'abord, la clé à mon nom, c'est que on n'a pas. Là, pour construire une maison, il a été construit une maison en douce. Donc il a été rampé. Déjà, il cherche à s'arrêter derrière. Donc, c'est ça qu'il dit, c'est loup d'hypocrisie, l'entend de faire. Le père, là, c'est un père qui aime les loups. Non, 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 non. Non, 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 le père. Non, non, père d'Aloi. Je suis déçu de toi. Non. Non, quand il dit, ils n'ont qu'à réfléchir pour que nos enfants ils voient le corps. Mais pourquoi justement, si tu savais que le comportement de là, les chansons là te dérangeaient, surtout, je suis comme dans tes reins là, pourquoi toi-même tu allais te mettre à califourchon pour remuer tes reins, pour inciter les gens à venir au concert de Dobabs? Non, je t'ai dit que son parrain, c'est un frère à moi, c'est comme lui. On me dit que c'est son anniversaire. Hein? Si lui souhaite un joyeux anniversaire, c'est pas mauvais. Bah, il sait, c'est qu'entre nous, même quand il était opéré, il a fait vidéo pour que les gens, par rapport à son conseil, il était malade. Ouais, il est fait, c'est pas par les gens tristes. Non, vois, mais non, en fait, c'est quoi? Il dit, c'est pas qu'il dit que c'est il mauvais. Il n'a pas dit, c'est il pas. Dit, ça m'est. Ça m'est. Voilà. Sinon, il n'a pas dit, c'est mauvais. Pas, aujourd'hui, là, quand moi, mon fils, dès qu'il met ça, chéri Coco, Coco, Coco. Mais laisse-le sauter sa chéri Coco, il y a un problème. Non, non, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Il dit même pas que papa, c'est ça, on m'a donné. C'est pas bien. Le père d'Aloi, chacun a son domaine. Laisse les faire. Pour eux, toi aussi, continue de ramper. Fafa est ennemi. Ok, merci. Pour que rampant, soit rampantant, elle rentre en plan. C'est tout. Voilà. Merci. Alors, merci. Nous sommes à la fin de l'année, bien sûr, avec Ivoire TV Musique. Merci pour tous ceux qui suivent le Fafa, bien sûr, n'est-ce pas, Chola? Exactement. À toute distance de la Terre, dans les fins fonds des contrées du monde, vous recevez notre émission. Merci pour tout. Alors, big up à toute la famille qui nous soutient à distance comme de près, qui partage sur les réseaux sociaux tout ce que nous faisons. Je remercie en l'occurrence le berger Kangala, Ange Bleu le cultivateur, la marraine Mathilda, sans oublier Franck Mian, le jeune industriel très fort, et aussi Aboudia le peintre. Merci. Ouverture de la boutique chez Kra. C'est déjà maintenant dans ces périodes de fête. Merci à tous et surtout sortez toujours couverts. Votre humble serviteur Serge Defalle est toujours avec sa partenaire de tout le temps, Chola. Notre émission est malheureusement terminée. Et oui, Fafa, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on revient la semaine prochaine avec un nouvel invité, de nouveaux papos à casser. Merci à Soko et William Santiago. Merci à toute l'équipe de Fafa. Quant à moi, je vous dis, portez-vous bien. Bonne fête de Noël. On se revoit à la semaine prochaine. Non.